Et bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation pour un vieux kit vintage de Airfix, le F86D Sabre, que j'ai retrouvé. Puis j'ai craqué parce que j'aimais beaucoup cet avion, donc j'ai sauté dessus pour pouvoir le faire. Donc c'est un vieux kit Airfix fabriqué en France au 1,72. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc les pièces. Donc voilà, il y a deux grappes, bon, elles sont un peu détachées parce que c'est tout vieux. Le kit est tout vieux, voilà, il y a une première grappe avec les deux ailes, puis quelques éléments de détail. Le dessous des ailes sont une deuxième grappe, les réservoirs qui sont détachés, la verre arrière, le réacteur et le fuselage. Alors il comporte de bonnes gravures, ce sont des gravures très fines qui sont en relief. Puis on va pouvoir comparer la différence des deux fuselages, où on voit que le F86D est beaucoup plus imposant. Et puis il a le nez qui diffère évidemment. Donc dessus on avait, dedans on avait le petit Airfix Club, Airfix Magazine, la planche de décale, qui par chance n'a pas trop vieilli, pas trop vieilli. Donc voilà, donc moi j'ai fait la version proposée sur la boîte. Et puis enfin la notice avec le bleu d'époque là, avec un petit historique. Les instructions de montage qui sont en 9 étapes, donc c'est très classique, le cockpit, on monte des éléments dans le fuselage, le demi-fuselage, les ailes, puis après tous les petits éléments comme le train d'atterrissage, etc. Et puis voilà les décos proposés. Donc voilà pour cette petite présentation du F86D Sabre. Et puis moi je vous revois avec, je vous reprends avec le modèle fini. Allez, à plus tard. Espérons que le moteur ne soit pas trop froid pour démarrer. Grand temps pour moi de rapprocher les lignes de calme. Un peu de sport, c'est très bien. Et nous voilà donc pour la présentation des sabres. Donc là c'est quelques modèles de sabres que j'ai. Et donc pour fêter la finition du sabre Dog ici. Donc ça c'est des vieux modèles d'enfants là que j'ai récupéré un petit peu comme j'ai pu. J'avais fait un sabre version australienne, ça c'est le sabre de la guerre de Corée, ça c'est un sabre qui était cassé, donc je l'ai vieilli. Et puis le sabre Dog. Alors que dire sur le sabre? Il y a tellement de choses à dire sur le sabre. Alors déjà c'est un avion qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale, c'est le premier
avion réaction en flèche de l'US Air Force, de l'armée américaine. Et il aura notamment ses faits d'armes pendant la guerre de Corée. Voilà, effectivement, le sabre avait été opérationnel pour la guerre de Corée, notamment pour contrer le MiG-15, qui avait surpris tout le monde à sa sortie. Et donc après, donc, le sabre est venu se battre contre lui et s'est montré supérieur. Voilà, je vous ai sorti quelques bugs d'Annie, parce qu'il y a quelques belles pages sur le sabre. Cette page, on peut voir ce que j'avais fait à l'époque, là. Quelques pages de combat entre les MiG-15 et les sabres. On voit également ici très bien ici avec leur bande jaune. Et puis ici on revoit ceux avec les bandes noires. Alors donc voilà pour la présentation des sabres avec une petite parenthèse Bug Danny. Donc il y a eu plusieurs versions, il y a eu le sabre de base que l'on connaît là. Il y a le sabre Dog également, celui qu'on vient de faire. Il y aura également un autre sabre, je vais vous chercher une illustration. Voilà, donc il y aura eu également le super sabre, donc je ne l'ai pas du tout en kit ni rien, mais par contre j'ai une petite illustration dans Michel Vaillant. Parce qu'à cette époque, les amis de Steve Warson, un ami de Steve Warson faisait partie de la patrouille des Thunderbirds qui était équipée en super sabre. Ici. Bon, excusez-moi l'état de la BD qui est un petit peu vieille. Voilà. Donc voilà pour le super sabre. L'armée française également en aura jusqu'à toute fin des années 70, peut-être début 80. Ils en auront eu une centaine. Donc là c'était le super sabre. Et enfin il y aura la dernière version de l'ultra sabre. Alors lui il sera resté qu'à l'état de prototype. Donc j'ai une belle maquette 172e que j'ai pas encore commencé parce qu'il faut que je lui trouve sa place dans la vitrine. On peut voir que là ça a nettement évolué, c'est vraiment la dernière évolution qui restera en prototype et comparé à ça, voilà, pour voir pourquoi j'ai un petit problème de place dans la vitrine à prévoir, c'est parce que c'est un sacré gabarit. Donc voilà pour les 4 sabres, l'ultra sabre, le super sabre que vous avez vu sur la vidéo de Michel Vaillant, le sabre normal et le sabre dog donc, que l'on vient juste de finir. Qui est quand même une grosse bête, il a un bon gabarit comparé à l'autre sabre. Et donc celui-ci également sera beaucoup plus performant. On peut voir déjà la différence de moteur. Donc déjà celui-ci était très rapide et celui-ci battra quelques records de vitesse. Voilà, comme je vous disais, celui-ci en introduction, donc c'est le dérivé du classique sabre 86 que je vous ai montré. Et donc premier réacteur américain à voler en flèche. Et celui-ci, c'est le premier intercepteur tout en monoplace. Donc il avait également une petite spécificité, il avait 24 fusées là dessous avec un qui était escamotable. Donc là j'ai sorti, mais en fait cette partie-là a été rangée à l'intérieur du fuselage et sortait. Et puis on peut voir, on va essayer de voir ça comme ça. Voilà, les 24 fusées qui sortaient d'ici. Bon, évidemment, en vol, il avait la roue rentrée. Voilà, donc ça, c'était sa petite particularité de l'armement. Les Mighty Mouse. Et donc, c'est vers la fin des années 50 aussi. Il fut pas mal adapté par d'autres armées, comme le Danemark, le Japon, la Turquie. Et donc, comme je vous disais précédemment, c'était le 16 juillet 1953, donc un F-86D, Sabre Dog, avait un nouveau record mondial de vitesse de 1145 km/h. Voilà. Et puis la production totale de cet avion a été de 2504. Donc voilà, on va faire un petit tour du Sabre Dog. Voilà, bon, c'est un vieux kit que j'avais récupéré, puis ma foi j'en suis assez content, même s'il n'a pas évidemment toutes les caractéristiques de nos nouveaux kits. Et donc voilà, on se quitte sur le Sabre Dog. Et puis moi prochainement je pense que je vais attaquer
Bon, je sais pas quand je le ferai, mais j'essaierai de faire peut-être une vidéo, peut-être tutoriel, ce que j'ai récupéré. Enfin, c'était vraiment parmi mes premières maquettes, là. C'est celle que vous avez vue là auparavant, là. L'Australien. Celui qui t'a abîmé, j'en ai fait une épave. Et l'Américain. Qui était cette autre décoration proposée. Donc voilà, donc, prochainement, quand j'aurai le temps, je vous ferai une vidéo un petit peu particulière avec ce F86A sabre. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remets le sabre dog en place. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne Genios. Allez, bye bye!